Institutul. Donc, ce jour, ce sont les jours de la francophonie. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aimer, on va danser, oui, c'est la vie, la la. Gabriela, ¿qué es la que decime? Que ya a la
animaux aiment la tour Eiffel, n'est-ce pas? Et toi, Martha, où es-tu? Oui. Et au lieu de la lettre A, c'est la tour Eiffel ici. Et nous avons deux poésies. Comment, André, es-tu Yasmina? La veille. Le matin, quand le soleil brille et le champ est beau et vert, l'abeille laborieuse se met en route. Elle bourdonne et vole légèrement de fleur en fleur. L'abeille récolte le pollen avec beaucoup de zèle. Elle le transporte après à la ruche. Où elle retourne avec beaucoup de joie et sans réponse s'en va encore. Paris. Paris est une grande ville, pleine de romantisme, nature belle à définir, il y a aussi de belles rues et de beaux parcs. L'odeur parfumée des fleurs flotte dans l'air, les gens se promènent, il y a quelques-uns qui portent des bérets. Oui, Yasmina a gagné le prix pour le romantisme cette année, au concours de la meilleure création des élèves. Et Andrea a gagné le prix pour la créativité de l'année passée. Avec les instruments. Vous pouvez venir ici. Aïcha. Nous y vedem encore. Les garçons, venez ici. Nous changeons de place. Aïcha. Nous vous vedem. Ça va de toute la lune. Ah, așa. Uite ce frumos sunt. Francophonie,
Mulțumim, Adina Văcină, mulțumim copii frumoși, copii talentați, recuzită, voie bună. Sunteți foarte, foarte, foarte frumoși, toți sunteți frumoși. L-aș ruga pe domnul profesor Mărălin Ivănescu să ne spună două cuvinte despre francofonie, despre țările francofone.